Nous avons ici une fonction g, telle que g de x est égal à x cube plus 2x carré plus 2x divisé par x plus 2, définie sur r privé de la valeur interdite moins 2. Il faut trouver 4 réels ABCD, tels que g puisse s'écrire g de x égale ax carré plus bx plus c plus d sur x plus 2. Donc ici g est sur x plus 2, je vais m'arranger pour être g sur x plus 2. Donc je vais mettre ici au même dénominateur, hein, en multipliant au dénominateur par x plus 2 et au numérateur par x plus 2. Donc il vient pour l'écriture de g de x. Ax carré fois x me donne ax cube. Ax carré fois 2 me donne 2ax carré. Bx fois x me donne bx carré. Bx fois 2 me donne 2bx. C fois x plus cx. C fois 2 me donne 2c. Je rajoute plus d divisé par x plus 2. Je vais réorganiser l'écriture de la fonction g en g de x égale x cube facteur de a plus x carré facteur de 2a plus b, 2a plus b, plus x facteur de 2b plus c, 2b plus c, et il me reste 2c plus d, le tout sur x plus 2. Alors maintenant je vais rapprocher les deux écritures hein, de g. Ici g possède un dénominateur x plus 2 et ici aussi. Donc les numérateurs doivent être forcément égaux puisqu'on a la même fonction g. Ainsi, en procédant par identification, je vais obtenir petit a coefficient de x cube doit être égal à coefficient de x cube ici c'est 1. 2a plus b qui est le coefficient de x carré doit être égal à 2. 2b plus c, le coefficient de x doit être égal au coefficient de x ici 2. Et pour finir, 2c plus d doit être égal à 0. Puisqu'ici, on peut rajouter plus 0. J'ai donc ici à résoudre ce système. Petit a est égal à 1. J'injecte petit a dans la deux équations. Je tiens 2 fois 1, ça fait 2 plus b est égal à 2, soit b est égal à 2 moins 2, b est égal à 0. J'injecte b est égal à 0 dans cette équation-là. 2 fois 0, 0. Donc j'obtiens directement c est égal à 2. J'injecte c est égal à 2 dans la quatrième équation afin d'isoler le paramètre d. 2 fois 2, 4. Donc 4 plus d est égal à 0, soit d est égal à moins 4. J'ai donc trouvé les 4 réels a, b, c, d. Je peux désormais réécrire la fonction g en remplaçant a, b, c, d. Petit a, c'est 1, donc 1x carré. Petit b, c'est 0, donc j'annule ce terme. Petit c, c'est 2, donc ici plus 2. Petit d, c'est moins 4. Donc je mets ici moins 4. Voilà, j'ai réussi à réécrire g en trois parties.